Et salut à toutes les gars, c'est Roulian. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode putain merde j'ai oublié. Je crois que c'est 13 ou 14. Donc dans le dernier épisode les gars, on avait fait un épisode vraiment parfait. 3 matchs, 3 victoires. On était remonté à la deuxième place. Donc voilà, on a fait une bonne série de victoires. Ce qui nous permet de voilà, viser. On peut même viser le titre les gars. Donc bon après ça peut être facile mais voilà, on peut encore malheureusement être cinquième. Donc ce serait vraiment dégueulasse comme voilà, au vu de la Coupe d'Europe où on a fait que de la merde. Donc faudrait vraiment finir sur le podium absolument. Donc là match face à l'Olympique de Marseille, donc ça va être assez chaud. Donc on aura 3 matchs dans cette vidéo, notamment le match de coupe face à Reims. On va essayer de se qualifier en demi-finale. Donc on va jouer en 5 minutes encore. Pour manager, je préfère jouer en 5 minutes et en pro 4. Donc on est bon. Donc ouais, Pogba, par contre on va le remettre en défense centrale. À gauche on va mettre Tabanou. Voilà, j'espère que ce couteau va vite revenir parce que là j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Dabo, est-ce que je. Ouais, Dabo, je vais laisser. Hein. Il joue tout le match, il est fatigué. Et en plus, Dabo, il a signé à Saint-Etienne, mon gars. Donc, l'abonné qui m'a demandé de le recruter, et bah, il était visionnaire, mon gars. Ah ouais, bah, il vient de signer officiellement aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. Bon, vous la verrez sans doute une semaine, un peu plus d'une semaine après. Je prends pas mal d'avance dans mes vidéos, vu que bientôt je serai pas là. Donc, bref, les gars, donc on est parti, les gars, pour ce match, en espérant une victoire. On se retrouve pour une version de ce match. Let's go! Bon, pour l'instant, ils ont envie de faire tourner les Marseillais. Par contre, l'ambiance est quand même plutôt sympathique. On entend vraiment les Marseillais gueuler, donc c'est cool. Oh! T'as le pas derrière, il fait quoi lui? On a même eu un bon carton jaune là, c'est qui là? C'est Cabella? On va refaire ça une deuxième fois, tu prends un rouge, mon pote. Hein. Enfin, mon pote, façon de parler. Et on est toujours la meilleure équipe externe et la meilleure équipe extérieure, et Marseille la meilleure équipe à domicile. Donc voilà, c'est plutôt un beau choc. Oh! Eh, c'est Cabella! Eh, c'est Cabella, mon gars! C'est Cabella! Oui! Oh le carton rouge! Et, oh, mais il est complètement con! Deux tacles par derrière en moins de 20 minutes de jeu. Mais en plus, il dit non, mais mec, il n'y avait aucune chance qu'il y ait le ballon. Et bah, regarde, Marseille va jouer à 10. Ouh, il y a moyen de gagner, les gars. Là, il y a moyen de faire un gros coup là dans ce match. Ah, on y croit. Hein. Bon, attention, les gars, ça se rapproche. Le centre, gâte ton duel, bien joué. Attention, c'est pas terminé la frappe de Batshuayi, il me semble. Ou Fletcher, non, je sais pas, j'ai pas vu bien qui c'était. Bien joué Beric, et la passe avec Pléa. Oh, c'est bien joué. Oh, la passe avec Dabo. Vas-y, Dabo. Oh, c'est concret. Oh là là, la chatte, c'était pas concret là, ça rentrait. En plus, Dabo, il vient de signer à Saint-Etienne aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, mais ça aurait été bien qu'il marque. Allez, Perrin. Peut-être Perrin, il est passé. Il est passé la puissance de Perrin. La fin de frappe. Oh, dommage. Ah, bon, c'est la mi-temps, les gars. 0-0. Grâce à Cabella, franchement, il y a vraiment moyen qu'on gagne. Mais voilà, faudrait ouvrir le score assez rapidement. On n'a pas réussi à marquer malheureusement, on a fait 3 tirs. Voilà, Marseille a un tir. Marseille a légèrement la possession malgré qu'ils sont à 10. Bon, il y a largement moyen de gagner les gars. Donc je compte sur vous pour gagner tout simplement. Deuxième mi-temps. Allez Camano. Camano il est très très rapide et il arrive facilement à faire la différence. Camano il est passé face d'Achiglier. Ah merde, dommage, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Hop la technique, on est passé. La fin de frappe, la vitesse de Camano. Le retour magnifique. Attention le roulé. Non. Oui. Oh le voir sur le score. Oh le but, c'est quoi du château. Oh magnifique Camano. Magnifique Camano, c'est l'ami. Ah lui tout seul, il est passé tout le monde, il tire à tout qui fait mal. C'est clair, un penalty, deuxième carton rouge. Et là, ouais, c'est n'importe quoi. C'est le dernier qui la touche, transversal. Regarde le vieux but. Oh le but, il est dégueulasse. Oh, il est dégueulasse, mais bon, c'est cool. On prend l'avantage, les gars, dès le début, on continue comme ça. Et le coup franc de Tabanou. Ouais, non, je vais pas le tenter, hein, c'est un petit peu loin. On va essayer de jouer à deux avec Siki, c'est Mopé. Vas-y, Mopé, pourquoi pas la frappe de Mopé? Ouais, mais Mopé, putain, il a pas de force. Il se fait trop bousculer. Putain, il a 84 de vitesse, il a pas l'impression qu'il est rapide. Et il a rien dans la chaussure. Ses frappes, ses dépasses. C'est abusé. Ouais, on est pas loin de 2-0, franchement, ça joue bien, on gère tranquillement. Mais attention à pas se faire surprendre, voilà la passe sur mon Camano avec sa puissance, sa vitesse. Et le coup de comment il s'est fait manger avec Mopé. Mopé avec Camano de retour. Camano, la fin de frappe, bien joué. Camano, on va tenter la passe avec Tabanou. Oh la grosse frappe, oh non. Oh la vraie magnifique de Mandanda. Non, c'est pas possible, les gars, sérieux. Allez, cours Camano. Oh la balle de match. La balle de match de Camano. Qui est passé à vitesse, c'est Rolando. Oh le bâtard. Oh penalty. Non! Oh, il y a pénalty! Non! Enfin, yes, mais. C'est pas pénal pour moi, attends, on va ralentir. Oh, y'a rien! Y'a absolument rien, il prend le ballon! L'arbitrage FIFA, mon gars!
Bon, ça va, c'est en ma faveur, donc je vais pas m'énerver. Mais attends, Berich, quand même, faut le mettre. Voilà, le but de Berich. Berich, il est bien mal péno, lui. Voilà, 2-0, les gars. Le but de la victoire, sans pénalty, il n'y a absolument rien. Mais voilà, un petit pénalty, nous donne un petit péno, moi je prends. Bon, voilà, ça aurait été un Marseille qui aurait eu un péno comme ça, j'aurais pu être un plomb, mais le but c'est en ma faveur, toi, ça ne marche pas. Ouais, bien joué, la victoire. Il reste très très. Il reste tout le temps en garde au milieu, le gardien. Avec deux fois. Vu que ça sur le côté, ça rentre à chaque fois. Donc c'est bon les gars, 7ème but en Ligue 1, bien joué Robert. On se dirige tranquillement vers la victoire, ça fait plutôt plaisir. Allez on... Ok, putain mais l'arbitre il est vraiment sympa avec nous, il nous donne des fautes et absolument rien. Franchement j'ai vraiment pas à me plaindre de l'arbitre. Il est vraiment de ma faveur, par contre les Marseillais doivent un petit peu gueuler. Bon à part hein, les cartes rouges, c'est clair qu'il y avait carton. Ou si j'avais mis... Bon c'est terminé les gars, victoire 2-0, on est toujours sur notre incroyable série. 3 tirs à stat, voilà, c'est largement mérité. On va juste voir les deux cartons jaunes vraiment bêtes de Cabella. Franchement, c'est. Pourquoi il tacle pas en arrière? Il a aucune chance d'avoir le ballon et là, il va plus avoir un rouge. Et puis là, c'est pareil, quoi. Tacle pas en arrière. Deux jaunes largement mérités. Donc, on s'impose. Et là, on fait une très bonne opération. On l'est peut-être promis, même. Si Dion n'a pas gagné, on va voir tout ça tout de suite avec le classement. Mais. Ouais, on est premier, les gars. Ah ouais, Lyon a deux matchs en moins. Ok, bon. Non, bon, je sais plus. Ouais, vas-y, je vais faire les entraînements. Je vais faire les entraînements, là, je suis chaud patate pour jouer les entraînements. Donc, ouais, je suis pas chaud patate, mais bon, je vais essayer de faire un petit peu. Donc, on se retrouve tout de suite quand j'ai fini les entraînements. Ok, donc on est bon. On a fini les entraînements, donc que des A. Avec Camano Mopé qui augmente d'un général, il passe de 2 à 112, ça c'est plutôt cool. Donc, voilà, entraînement parfait. On passe tranquillement. Après, en même temps, c'est tout simple, c'est tout bon argent. J'aurais peut-être dû mettre plus dur juste pour vu que j'ai joué les entraînements, mais j'y ai pas pensé. Tes souhaits, merci. Ouais, je dis merci à moi-même. Ah, on est plus premier. Il n'y a rien qui nous est passé devant. Mais il y a Lyon avec ses matchs en moins qui va également nous repasser devant. Sauf s'ils perdent leurs deux matchs. Donc là, on va jouer face à Caen, à domicile. Si on a battu Marseille, on a battu Paris. On a battu Monaco, on doit battre Caen. Surtout que là, on a plus d'une semaine de repos. Vraiment, ça devrait le faire, j'espère en tout cas. Ah, par contre, il y a 10$. 10$, il faut vraiment se méfier, il est très 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 bon. Donc, on va jouer en 5 minutes, on va mettre. Ouais, le beau temps, j'aime bien. Alors, par contre, on va vite fait voir gestion d'équipe. Pogba, tu vires, est-ce qu'on le met titulaire? Je sais pas, déjà arrière gauche, on met Tavanou, forcément. Milieu de terrain, Dabo, ouais, mais je sais pas trop. Ouais, je préfère mettre Seric. Nous apporter, hein. On le connaît, c'est Eric maintenant. À gauche, on va. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça. Déjà. Ah oui, SNS, il augmente pas trop. Hein. Mais bon. Ouais, encore, on va le mettre, on va le mettre parce que. Il a fait genre l'eau, dans 5 paires, il a pas du tout fait genre l'eau, donc on va le virer. Donc, on est parti, les gars, première action de ce match. Let's go! Attention, la frappe! Oh, c'est concret. Et quand il nous met mal, avec Andy Delors qui bouge de partout, qui fait des appels, franchement on a du mal. L'équipe de Caen qui nous bouscule et il me semble qu'au match aller on avait perdu contre eux. Avec Andy Delors qui avait été énorme encore une fois. Et Rezus, t'as un peu d'espace là. Là t'as un peu d'espace. La vitesse de Rezus. Mais t'as l'impression qu'ils sont vraiment bien placés. Attention avec Basile. Oh, ça sort pas le bâtard. Avec Delors, de jouer. Non, oh, il est tout seul Delors. Il est tout seul. J'ai fait un. Oh attention. Oh le ballon piqué. Oh quel but. Et c'est Andy Delors, il est énorme. Non mais genre. Alors ça j'ai fait un peu sortir le gardien. Mais rien le lob parfait. Je dis que c'est un lob, mais là c'est un lob puissant à moitié. Oh là 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 là, on se retrouve mené. Et franchement c'est mérité. Pas démérité on va dire. Oh là là le bâtard. Au moins on est mené. On est mené 1-0, il va falloir vite réagir. Ah putain, je suis dégoûté. Oh la passe c'est compliqué. Oh non, il est passé PA! Il est passé PA! Bien enroulé! Oh non! Et comment on était à côté, t'aurais pu mettre le pied. Aïe, aïe, il reste 2 minutes avant la mi-temps là. Il faut réagir assez rapidement, là, ce serait bien d'égaliser tout de suite. Avec Dabo, ouais, le contrôle moyen. C'est pas terminé, mal cuit. Mal cuit avec Oussama. Oussama. Voilà, on fait tout ça à rien, c'est pas grave. Allez, viens vers moi. Putain, bâtard. Oh, par contre, le relance dans l'acte là. Il y a moyen avec mal cuit, ouais, mal cuit c'est pas le meilleur. Ah putain. Ah cette la mi-temps en plus avec une mi-temps additionnelle. Vas-y, Vercoute, fais de la merde. Ah le bâtard. Bon, cette la mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps. On est mené.
à cause de Andy Dollar qui est franchement très 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 chaud. On va voir les stats, mais ouais, c'est plutôt équilibré, je pense. Ouais, voilà, deux tirs, mais ils ont vraiment la possession. Il va falloir vraiment réagir en deuxième mi-temps parce qu'autrement, ça va être très très compliqué là. Là, on donne tout, les gars, on revient, allez, j'y crois. Avec de la place, avec Andy Delors, attention, il est partout. Mais ça, Delors, la patate. Et franchement, voilà, une petite occasion encore de Caen, mais on est beaucoup mieux dans cette deuxième mi-temps, on pousse vraiment. Mais voilà, Caen, ils défendent assez bien quand même, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, il serait bien quand même d'égaliser, je pense que ce serait vraiment logique. Mais bon, pour l'instant, on est toujours mené. Avec Grésus. Oh, t'as le 3 derrière. C'est limite, hein. C'est vraiment limite, ouais, jaune, mais jaune à. Un jaune appuyé, on va dire. Mais en même temps, il a voulu prendre le ballon, mais bon, il y avait pas assez de place. C'est de la place, quand même. Moi, c'est cool. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une blague aussi pourrie. Mais. Oh, le coup franc! Oh, le coup franc! Oh, ça, c'est très très dangereux. Vous savez que les coups francs, j'en ai mis pas mal dans cette position. Oh, il est peut-être un petit peu trop près. Voilà, ça va le faire. Voilà, là, ça peut être pas mal. Là, ça peut être pas mal. Là, ça peut être pas mal! Oh non! Oh non, 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 non! Ah putain, non! Je devais la mettre, celle-là! Ah ouais! C'est vrai qu'il a pas. Voilà, j'ai joué un match foot tout à l'heure avec Royce. C'est que Royce, il a une stat d'effet trop fort. C'est vrai que Player et Royce, ils ont pas le même niveau en coup franc. Ils ont pas le même niveau tout court. Ah, fait chier! Allez, oh, mal cuit! Oh, la percée de mal cuit! La percée de mal cuit! Avec Camano! La fin de frappe! On joue à son pied gauche! Oh putain, j'ai merdé! Ah, dommage! Allez, les gars, on pousse! Il y a moyen! Allez, Tanane! Allez, Tanane, il faut tout donner, les gars, il reste 10 minutes! 10 minutes pour revenir! Elle la passe avec Dabo! Dabo, il a une grosse frappe! Putain! Ah, ça veut pas, les gars, là, on donne tout, clairement! Mais quand il résiste, il souffre un peu, ouais, il souffre clairement, mais voilà, il plie pas! Il reste, ouais, bon, forcément, il défend assez bas! Logique. Oh la récupération! Oh la récupération de Grésus! Ah putain, non, pourquoi j'ai fait ça? Ah, le temps il défile. Il défile assez rapidement. Allez, la passe avec Essérik. Ah, la touche, pardon. Essérik, la passe peut-être avec Camano! Non! Ah le bâtard! Voilà, bien joué le tac! Bien joué le tac avec Talan! Oussama Tanan! Le râteau! Putain, pourquoi j'ai fait le râteau? Aïe aïe aïe, il reste 5 minutes. Attaque de. Ouais, bah là, y'a pas le choix. Hein. Je suis en attaque de fil, j'ai plus quelques temps, mais. Non, gagne ton duel. Allez, ça revient vite avec Tabanou. Là, il n'y a que Delors qui est devant. Autrement, tout le monde est en défense. Allez, Camano, il est franchement très très chaud. Oh, bien joué. Oh, le grand pont. Le grand pont de Camano. Le râteau. Le râteau, vas-y, Camano. L'enroulé. Mais non, c'est concret. Et Camano, il est énorme. Franchement, voilà, je vous conseille vraiment. Il est très rapide, très vif. Et franchement, il met la misère aux défenses. Là, on donne tout, on donne tout. Là, c'est l'attaque défense, clairement. C'est en listonnel d'abo. Une dernière chance. Passement de jambes, c'est passé. Ah, t'es plus physique, t'es plus physique. Non, non. C'est Ferré, frère. Attends, Ferré. Ouais, Delors, il va prendre son temps. Ah, c'est mort, les gars. C'est mort, là. Il va prendre son temps, clairement. Il a raison, hein, mais. Je crois que je vais faucher quelqu'un. Là, je vais le faucher, rien de ça. Et voilà, c'est terminé. Défaite 1-0. Ah, là, ça met un gros coup d'arrêt parce que franchement, on était vraiment sur une grosse série. Je crois qu'on était sur 4 victoires d'affilée. Ah, 5 tirs à 4. On méritait clairement d'égaliser. Malheureusement, voilà, Caen a fait un très bon match. Ils ne méritent vraiment pas leur victoire. Mais voilà, ça met un gros coup d'arrêt. Et voilà. Ça nous a clairement calmé assez rapidement. Là, maintenant, il faut se concentrer sur le quart de finale. Ok, donc j'ai fait les entraînements, les gars. Donc voilà, en ce moment-là, je suis chaud pour les entraînements. Donc là, on va se concentrer. Voilà, malgré la défaite en championnat, on va se concentrer en coupe. On a un tirage plutôt sympa. On a eu Lens le dernier tour, la Reims. Bon, c'est un peu une équipe de Ligue 2, hein, vu qu'ils sont en Ligue 2 maintenant. Mais bon, ils ont quand même un effectif de Ligue 1. Et voilà, on est favori. Là, faut vraiment aller chercher la qualif parce que voilà, j'ai vraiment l'objectif, l'envie d'aller jusqu'au bout. Donc, on va tout faire pour. Donc, on va faire quand même une tournée, hein, c'est clair. Avec Drago Ticker du temps de jeu. D'abord, je vais le mettre sur le banc, mais évidemment. Senes, on va le faire jouer. Niakouré, je lui donne pas mal de temps de jeu, hein, c'est ton signe, Niakouré. Il a besoin de temps de jeu, il est jeune. On met Mopé et Berich. À gauche, on va mettre. Je sais pas trop. Est-ce que je mets. Ouais, on va mettre Baybek. On va mettre Baybek à droite. On va mettre Ibargué à gauche. On va voir si ça marche comme ça, les gars. Donc, je pense qu'on est bon. On va partir pour le match. Donc, on est parti pour les meilleures actions de ce match. Let's go. Ah, le tacle, ah, dommage. Voilà, c'était prolongé, comme je le disais.
Moi, je pense pas qu'il va laisser la dernière action. Voilà, c'est la fin. Ça va jouer encore au prolong. Voilà, c'est. Depuis la mi-temps, j'ai dit que ça sentait les pénaux. Et bah, on est bien parti pour. Donc, ouais, il se passe pas grand-chose. Reims qui a fait aucune frappe. Moi, j'ai fait 3 tirs, un cadré, mais bon, c'est pas des grosses occasions. Mais voilà, c'est un match très serré. Forcément, j'ai fait tourner, donc je m'attendais pas à qu'il fasse un match de ouf. Bon, voilà, c'est un match. Voilà, Reims, ils font un très bon match. Au milieu de terrain, ils se battent bien. Après, ils n'ont pas d'opportunité d'occasion. Mais attention, la première occasion, peut-être avec N'Gog. Le sort, oh, bien joué, l'attaque parfait. Et voilà, c'est assez serré, mais franchement, ça pue à 10 km les pénaux. Même à la mi-temps, même avant le match, je sentais que ça allait finir en pénaux. Je sentais ce match. Le vieux 0-0. Attention! Là, bien joué Dragoski. Là, le centre qui a failli transformer en but. Ah, il y a 6 mètres. Il a pas de frappe, pas de finition, pas de technique. J'ai franchement beaucoup de mal avec lui. Bon, après, les jeunes, donc j'ai fait qu'ils progressent, mais bon, c'est compliqué. Avec Senes, avec Beric. Beric, la grosse frappe du goal! Oh, Beric! Oh, quel but! Oh, quel but de Beric! Oh là là là, magnifique! On va le voir, on va le voir Plia. Pourtant, voilà, ils sont en confiance, mais voilà, ils sont tous potes, mon gars. Et ouais, aïe! Ah, oh, Beric, il a mis! Oh là là, je disais, il a fait un très bon match, il se bat bien, physiquement, il gagne ses duels et tout. Oh la frappe, Beric, vraiment, il a une grosse mission, du mauvais pied. Ah, il assume bien le contrôle, puis là, boum! Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Ah là, c'est franchement, je pensais que ça allait finir au péno, mais en fait, non. Enfin, c'est pas fini, mais bon, hein, ils ont fait aucune frappe, ils sont pas dangereux. Et là, ça fait 1-0, et putain, ça fait plaisir. Beijo Robert, en ce moment, il est bon, hein, il a marqué contre Marseille, il a marqué 2 buts dans cet épisode, même si c'est sur péno, voilà. Donc voilà, mi-temps, 4 tirs à 0, donc c'est cool. Hop, on est tout de suite parti pour la deuxième mi-temps. Donc on se retrouve une version de ce match, enfin de la deuxième mi-temps, mais ça devrait passer assez rapidement. Ouais, mopé. Ouais, la faute assez sympathique. Il ne laisse pas l'avantage. T'as vu, il y avait rien encore. Il y avait rien. C'est bon, c'est. J'espère qu'ils vont changer pour FIFA 17 pour l'arbitrage. Parce que moi, perso, je trouve que c'est vraiment de la merde l'arbitrage. C'est abusé. Tang Nyakouri. Oh la grosse frappe. Oh, Thomas, je pas terminé Peric. Ah, c'était compliqué là. Mais c'est que l'arbitrage, moi, perso, je trouve que c'est vraiment de la grosse merde. C'est. Voilà, c'est. Moi j'aime bien l'arbitrage anglais, tu vois. Ils vont pas se faire faute dès qu'ils touchent le joueur. Je suis CNS. Mais terrain, tout le monde a fait un bon match. Hein. La dernière du match, il est parti! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh, je partais. Bon, c'est pas grave. Bon, victoire. On est en demi, les gars. Et ça fait plaisir. Donc, c'est cool. Ah ouais, il y a Lyon et Monaco qui sont fait éliminer. C'est-à-dire qu'il reste Monaco, Toulouse, Rennes, Saint-Etienne. Franchement, on peut aller. Il y a Rennes qui voilà, c'est pas mal. Ils sont à notre niveau, clairement. Ça va être chaud. Mais il y a vraiment moyen. Oh, on est toujours deuxième. Ah ouais, mais tout le monde a des matchs en moins. Ah ouais, Lyon, ils ont 2 matchs en moins, donc bon, ça veut rien dire. On profite encore de notre deuxième place, mais c'est vrai que si on aurait gagné, on aurait été premier. C'est dommage, en plus Rennes, ils sont premiers, ils ont un match en moins. Ouais. Bon, après, voilà, comme j'ai dit, la première place, c'est vraiment pas l'objectif. C'est clairement les 3 premières places qui nous a fixé le CA, le conseil administratif, donc le président, quoi. Donc on va essayer de remplir cet objectif. Donc là, on est repassé troisième et ouais, on risque de passer quatrième. Ouais, la défaite il fait mal, il va falloir vraiment se concentrer. On rentre dans le sprint au final. Hein. Il reste 10 journées pour aller chercher le podium et aller j'ai remporté la Coupe de France. Donc, on va faire un petit rapport à l'équipe, les gars, à la fin de cette vidéo. Dragoski est toujours plus 4, il ne demande pas depuis quelques temps là. Ça vient que le monde maisonnais, il a pris que seulement plus 1. Une Catherine plus 2. Au corps, voilà, ça change pas, c'est relou. Perrin, bon, il a 30 ans, mais c'est déjà bien. Pogba, ok. Hernandez, ça augmente pas depuis. Mais on s'en fout. Tabano plus 1, on s'en fout, il retourne en prêt, lui, il est blessé. 4 semaines il revient, Paulma il est en prêt, Pajot plus 1, Diomandé on s'en fout, Kamano qui a pris un plus 1 et Kamano franchement j'aurais pas du tout de l'acheter. Nukuri, ok, Dabo pas mal franchement j'aime bien, Sanson, Senaès plus 2, c'est pas mal, il serait bien qu'il augmente encore un petit plus 1, un petit 75, 75 à 21 ans c'est quand même vachement cool. Avec Essay plus 3, le meilleur passeur, avec 6 passes D, vraiment pas mal. Tanane il est pas mal aussi, j'aime bien, Résus aussi. Régis, voilà, 7 matchs, 4 buts, une passe D. C'est vraiment franchement pas mal. Avec Pléa, le meilleur buteur, 16 buts, 4 passes D, toutes compétitions confondues. C'est lourd. Beric, 12 buts, c'est pas mal du tout aussi. Pléa, plus 4, il est moins bien, mais bon, j'arrive pas à jouer avec lui, clairement. C'est vraiment compliqué. Ouais. Franchement, je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Je sais pas si je le prêterai ou pas. Enfin, bref, les gars. Pourtant, il a 84 de vitesse, 84 et tout, mais j'ai du mal. Bon, bref, on va s'arrêter là, les gars. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On en arrive au bout de rapport à l'équipe. Donc je vous dis à une prochaine vidéo les gars. C'était Roulian. Ciao ciao.